Alors on est allé chercher un frère, hein, un frère de Côme l'Ancien, et dans la dynastie des frères de Côme l'Ancien, on est arrivé jusqu'à un autre Côme, hein, qui va devenir Côme Ier, hein, celui que vous avez vu là, par Bronzino, mis en place sur le trône de Florence par le cardinal Cibo pour sauver la dynastie des Médicis. Alors, Côme est le fils d'un Médicis qui s'appelle Jean des Bandes Noires, représenté ici à nouveau par Sebastiano del Piombo, dont ici le fils et là le père. Et Jean des Bandes Noires avait épousé une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Maria Salviati, dont la Walter's Art Gallery à Baltimore conserve ce portrait absolument magnifique, dont on ne sait pas très bien s'il s'agit d'une des filles de Côme, une de ses petites filles qui s'appellerait Giulia, ou s'il s'agit au contraire d'une autre fille de Côme de Médicis, fille naturelle, qui s'appelait Bianca, qui mourut à l'âge de 5 ans et dont la mort reste un des drames de la vie de Côme Ier, le premier grand-duc de Toscane. Mais vous voyez que on quitte ici le dernier grand peintre vénitien installé à Rome, Sebastiano del Piombo, et on entre ici chez les peintres maniéristes. Et cette belle manière qui va insister très nettement sur une esthétisation du portrait, c'est-à-dire que la beauté va devenir l'attribut de la légitimité plutôt que la création de la richesse, plutôt que le service de la communauté, plutôt que la culture, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important, hein. Le maniérisme a correspondu, alors là, il faudrait voir poule et œuf, hein, mais le maniérisme a correspondu avec l'aristocratisation ultime de la dynastie des Médicis. Et cette aristocratisation ultime de la dynastie des Médicis s'est caractérisée par l'entrée en scène de peintres de cour. Et là, on n'est plus du tout dans des peintres de fresques répartis dans la ville, etc. Ce sont vraiment des portraits de cour. Et le portrait de cour est le double résultat de l'émergence d'une nouvelle étape de la peinture florentine, le maniérisme, qui correspond à l'aristocratisation définitive du pouvoir des Médicis. Et évidemment, que ça soit Bronzino ou que ça soit Pontormo, dont nous avons déjà vu le portrait d'Alexandre Médicis tué par Lorenzaccio tout à l'heure, les portraits sont caractérisés par une élégance et par un raffinement aristocratique dans les lignes, dans les textures, dans les formes, dans les couleurs, qui évidemment signifie un éloignement de plus en plus grand de la famille des Médicis par rapport à la vie quotidienne.